Aujourd'hui les gars, nous nous retrouvons sur Minecraft. Et oui les gars, sauf qu'aujourd'hui nous sommes pas dans une série que vous devrez reconnaître à force. Principalement les séries qu'on réalise ces derniers temps, ce sont principalement Je vais me réincarner en slime et du One Piece. Aujourd'hui les gars, on est en pleine présentation de mode. Avant toute chose, je voulais les gars vous remercier pour toutes ces bonnes nouvelles qui sont apparues sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que maintenant on a atteint la barre des 600 abonnés et quelques. Maintenant on est un peu plus que ça évidemment, grâce à vous. Il y a des gens en commentaire qui recherchaient en réalité des mods Minecraft qu'on peut retrouver sur mobile ou sur Minecraft Bedrock. Et bien là les gars, je vais vous présenter les gars le meilleur mode One Piece Minecraft que je n'ai jamais vu. Et en plus de tout cela les gars, il est spécialement sur Bedrock. Ça veut dire que même les joueurs PS4, même les joueurs Switch, même les joueurs téléphone peuvent y jouer, je pense hein. Après je sais pas, mais je suppose que oui. Si moi-même je peux jouer sur Minecraft Bedrock depuis un PC, je pense qu'on peut aussi le faire sur une PS4 ou un délire comme ça. Du coup, n'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord. Il est pas forcément en forme aujourd'hui, mais un jour Inch'Allah il le sera, t'inquiète pas. Ok les gars, du coup, là on a donc tous les équipements qu'on a. On a même les techniques des fruits du démon. On a même le fruit de Kaido, frérot. Ok les gars, donc là je me suis donc équipé les techniques du CP9. Et on va pouvoir essayer un petit peu comment ça rend les techniques du CP9. Je vais d'ailleurs me mettre en survie, comme ça on aura des meilleurs effets. Ah voilà, donc là je suis en survie les gars, let's go. Donc là on a quoi? On a le Kami. Ah ça je crois que c'est la Veski. Ça c'est le Cherou. Hop là. Ça c'est l'équivalent de Minecraft. Bon frère, tu bon, au moins ça fait. Au moins il y a de l'effort. Au moins il y a de l'effort. Ça c'est le Shigan. Ok, donc a priori tu mets ça comme ça. Ah voilà, tu vois, get, ça fait ça. Hop là, ça fait un petit point comme. Bref, en vrai, ça fait stylé quand même. Ça fait stylé. En plus tu le mets à terre, frère. Aïe. Tu fais des trucs comme ça toi. Je sais pas pour qui tu t'es pris. Kume, t'étais à terre, je t'ai mis à terre, je t'ai mis un gros Shigan dans ton cœur. Normalement t'es mort frère. Regarde, regarde. Regardez les gars, regardez bien. Hop là, F3. Paf. 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 Tu connais ou pas? Est-ce que tu comprends un petit peu la situation? Ça c'est le CP9, tu vois. Et là maintenant on a le magnifique Piouragan. On va essayer ça sur un Kume. Là. Piouragan. Hop là. Et regardez l'effet les gars, ça fait. Piouragan. 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 Ok les gars, nous allons pouvoir tester le fruit de crocodile. C'est un fruit que je trouve plutôt intéressant quand même, enfin pas forcément fort. Il est vrai qu'il y a beaucoup de désavantages, mais en tout cas il y a pas mal de points forts dans ce fruit là. Après tout moi je suis là pour le vous présenter, donc on va essayer, on va le tester et on va voir un petit peu la qualité que propose ce fruit. Donc là d'abord on a une sorte de point de sable comme ça. Bon ça c'est assez mal présenté sur le mode, surtout quand t'es la première personne, mais bon. Bref, première technique déjà, on a donc une sorte de d'arme en sable, tu connais, ça fait ça. Et en plus de ça les gars, on a un effet de sable, très stylé. Donc là je lui mets une petite patate et tout, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Hop là, du coup ça crée du sable, le Kume il est directement à terre. Tu comprends le délire, hein. Après tout on est plutôt habitué quand même. Hein. Là moi je trouve ça vraiment stylé les gars qu'on puisse mettre les gens à terre. Mais c'est un chien lui. Mais gros, mais frère, prends-toi un sable. Sable, sable. Venez ici frérot, sable. Venez ici, sable. Ah, attendez, 2 minutes les gars, on plante vite fait des plantes. Sable, sable. Oh, il y a le capitaine. Sable. Est-ce que tu peux me toucher toi? Ah oui, d'accord, ok, ah oui, donc toi t'as le haki. Hop là, tu connais, hop là, on a un effet comme ça de sable là, tu vois, après juste à maintenir espace, et bon, ça induirait des flammes plus que du sable, mais tu connais frérot, voilà. Après, c'est assez complexe à manipuler le sable, quand tu voles surtout, c'est assez bizarre comment voler là-bas. Mais en tout cas, voilà, ok. Après, on a ça, là, cet objet. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je ne sais pas. On va le tester ça sur ce mec-là. Essayons sur un pirate comme ça, lui. Oh, attendez, c'est plutôt stylé quand même, les gars. Qu'est-ce que ça fait, genre, en mode, ça fait quoi? C'est quoi la distance? Ça fait quoi comme... Et même si je fais sable. Ok, ça fait ça. Oh, mais les gars, attendez, c'est plus intéressant que prévu, en fait. Regardez un petit peu, les gars, ce que ça fait. Ce que ça propose, genre, en mode, ça fait... Vous voyez la technique qu'il a utilisée contre Luffy? Bah voilà, ça fait ça. En mode, ça fait les trois épées, là. Même Luffy, il les a cassées avec son sang. Ouais, c'est... Dommage, hein. Non, vraiment, les gars, c'est stylé. Moi, je trouve ça stylé, quand même. Tornado! C'est pas si mal, hein. Je connais des mods qui font mieux le sable que ça, mais en vrai de vrai, c'est pas si mal, hein. Ouais, c'est pas si mal, hein. Après, moi, je... Ouais, My Nomi, le sable, il est mieux fait. C'est un peu moins surprenant, mais après ça reste stylé quand même. Hein. Tu vois ce que je dis ou pas? C'est. Maintenant, un. Ok, les gars, là, je pense que juste en remarquant un petit peu mon inventaire, vous remarquez, les gars, quel fruit j'ai donc décidé de choisir. Ouais, en plus, les techniques sont plutôt stylées. Enfin, elles sont plutôt bien représentées visuellement comme ça dans l'inventaire, tu connais. Alors, voyons un peu le fil multicolore contre ce magnifique cochon. Hop là.
Hop là, 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 mes frères. Oh, c'est très mal fait, c'est très mal fait. Ouais, je pense que dans My Mainomi, quand même, c'est beaucoup mieux. Oui, tout de même, quand même. Ne pas non plus déconner. En plus, regardez les gars, là, il y a le pirate bizarre avec le les poupettes. Les poupettes, n'importe quoi. Hop là, frérot. Oh, ouf, ça fait mal. Ok, il fait mal. Ah là, je peux parasiter le comé. Et là, qu'est-ce que je fais? Attendez, parce que. Ah, genre, moi, je peux que le. L'arrêter de bouger, si je comprends bien. Ok, ça c'est quoi ça? Oh, Spider-Man. Ok, tu comprends le délire. Hop là, Spider-Man. Hop là. On est capable donc de voler. C'est pas un vol vraiment puissant, mais. Tu connais, tu peux faire quelques petites choses comme ça, là, tranquille. Et là, ça c'est quoi ça? En plus, tu peux planer de ça là? Bon, vraiment, le fruit, il est pas fort, hein. Bon, voyons voir un petit peu ça là. Oh, je crée un clone. Ok, ça c'est plus intéressant. Bah, du coup, vas-y. Frappe lui. Bah, mais frère, mais gros, tu ne fais rien là. Mais tu ne fais rien, gros, je comprends pas c'est quoi ton pouvoir là. Non, vraiment, là, le fruit, il a que de la gueule. Oh, il y a de flamingo, frère. Frère, t'as. Eh, attends, frérot, attends, il y a moyen qu'on négocie un petit peu. Tiens, prends-toi ça. Et ça, c'est quoi ça? Ah, ok, ça, c'est déjà beaucoup plus stylé, déjà. Ouais, et en plus, tu maintiens comme ça, ça fait des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que le kemé, ça lui fait rien du tout, là. J'ai l'impression que ça lui fait rien du tout, quoi. Mais en fait, plus tu maintiens, en fait, tu peux maintenir comme ça, tu peux. Genre, ça va transformer tout ton espace en fil. Ça, en mode, ça, c'est l'éveil du fil. Et tu peux rallonger le kemé comme ça. Ouais. Ça c'est bien ça pour faire du lit là. Hop là, on va changer de fruit du démon les gars. Ça c'était assez cool quand même. C'était un fruit assez divertissant. Un fruit. On va essayer les gars, Gibson, le fruit du démon de Kid. Y'a pas beaucoup de techniques les gars, mais ça peut être intéressant, toujours intéressant. Voilà, c'est bon, je suis passé. Attends. Oh les gars, attendez. Mais regardez-moi ça. Ok. Et là qu'est-ce que je peux faire? Arme. Ah il m'en faut 10. En gros, il me faut 10 armes. Là-haut, attendez, juste pose là-haut. Juste pose, hein. Repel, attractive. Hop là, je prends vos armes, les gars. Hop là, j'en ai 4. Ok, en fait, en vrai, les gars, Gibson, c'est un. Moi, je trouve vraiment le concept vraiment stylé, en fait. Parce que moi, si toi, tu veux te créer des délires, tu prends les armes des gens. Hop là, ok. Hop là, venez, les gars. Hop là, je prends vos armes. Tranquille, ok, tu connais. Hop là, je prends tout ça. Et là, les gars, je vais créer donc un point. Et là, j'ai mon point. Hop là, tu connais. Et là, j'ai mon point, là. Hop là, venez, les gars, vas-y, venez. Hop là frère, je prends tout ça, je prends vos armes, je sais pas ce que vous faites. Et là, paf, paf, paf. Non les gars, vraiment là. Non, moi j'aime bien le concept, par contre la durabilité de mon arme elle est pas ouf. C'est quoi ça, c'est Ripple, mais il faut qu'il ait une arme aussi non. Attendez, on va essayer de trouver un kemé qui a une arme, attendez. Après il me faut aussi beaucoup d'armes hein. Ouais, je vais pas vous mentir, si t'as pas beaucoup d'armes frère, t'es naze hein. Et il faut aussi beaucoup de mobs du coup, ça c'est un fruit qui est stylé hein, avec beaucoup de mobs tu vois. Ok. Mais gros, ça marche pas là, le bail là. Toi donne moi ton arme toi, t'es fou toi. Il est fou lui. Mais reste à terre gros, reste à terre. Mais le repel il marche pas. Non, le repel il ne marche pas. On va essayer de se craft 20. Ouais, on va essayer de se craft les deux coups de poing. Ok les gars, là je pense que je peux me craft un double main. Du coup ça donne ça. Ok. Et ça fait quoi du coup? Elle est où ma double main? Elle est ici. Hop là. Et là du coup j'ai double main. Ouf, il y a Kaido. Attendez, est-ce que je peux prendre son arme ou pas? Il n'y a pas de double main. Attendez, qu'est-ce que ça fait? Vas-y, viens. Là t'es fou toi. Là, tu veux te battre contre moi là? Et attendez, parce que là frère. Oh c'est stylé quand même, regardez-moi ça là. Oh voilà. Paf, paf. Par contre ouais, Kaido, je ne vais pas me battre contre toi. Les gars, on va essayer ce fruit là, je sais pas c'est quoi. C'est bleu comme ça, bizarre, on va essayer de ça là. C'est quoi ça? Ability of Hobby. Ok, j'ai capté. Je transforme les gens en jouets. Ok les gars, j'ai capté. Riley, transforme-toi en jouet, non? Oh mais gros, j'ai Riley en jouet. Et si on les gars, le fruit de Nico Robin. On va se mettre en survie, hein. Ok, je peux ne pas voler, mais je... Frérot, 1000 fleurs. Attends, mais gros, mais calme-toi, frérot, attends. Je lui fais une cage, il meurt pas. Attendez. Barbe noire, mais non, mes frères. Non, vraiment, non, barbe noire. Ok, c'est bon, il m'a lâché la grappe. Ça, c'est quoi, ça? Querpo fleur. Ah, je peux me créer un... S'il me récupère avec son fruit, je suis mort. Pourquoi j'ai pas des PV? Ah, parce qu'en mode... Dégage frère, dégage. Non, c'est bon, j'ai compris pourquoi je pars des PV. Du coup t'as capté hein, hop là, les gros pieds là. Hop là, ouais. Après c'est à l'échelle de Minecraft, tu connais. Assez fort quand même hein. Essayons les gars ce fruit là, il m'a l'air d'être le fruit de Smoker. Je n'ai jamais essayé le fruit de Smoker. Essayons un petit peu le fruit de Smoker. Hop là, patate. Ok, lui déjà il est, ouais, il est à terre frère. Eh, non mais gros, lâche pas la grappe toi frère. Non mais ça c'est n'importe quoi, c'est bon. Non mais frère, non mais crocodile. Non mais gros, il y a barbe noire ici, barbe noire là-bas. Cheech, Kaido, c'est bon frère, y'en a marre gros, y'en a marre, c'est bon. Laissez-moi faire. Big Mom, Katakuri. Ok, prends-toi ça. Punch Smoke. Oh les gars, y'a Zeus. Ok, oui, y'a même l'autre là, Prometheus je crois.
Ah, c'est le fruit de la glace. Du coup, je marche là. Ice Edge, non? Ice Partisan. Oh, les gars, attendez. On va se faire un petit kiff. On va faire un petit kiff, les gars. Hop là, bâton sabreur, tu connais. Hop là, toi, tu restes à terre, poteau. Reste à terre. Oh, il y a Chopper. Tony Chopper. On reste glacé, poteau. Reste glacé. C'est mieux, tu restes sous la glace, reste là. Ah, moi, je fais ça et ça. Hop là. Eh, tu fais des sacrées techniques quand même. Hein. Bah, reste là. Toi aussi, Nami, reste dans la glace là. Hop là, tu connais. Ice. Edge. Les gars, regardez un petit peu là. Ice. Edge. Ça, les gars, ça, c'est du flow. Ok. Maintenant, on fait aigle de glace. C'est immense, mais ça fait rien. Immense pour rien, frère. Ah oui. En fait, si. Ah si, ça remplace. Oui, ça fait beaucoup de trucs là.